Ok, on a parlé avec Maître Arnel Rémy qui était voulu réagir sur ça qui arrivait dans la pénitentiaire nationale là, dans nos cadeaux. Arnel Rémy, bonjour. Allô? Allô, allô? Allô? Oui, Maître Arnel Rémy, bonjour. Bonjour, Guerrier. Bonjour, Abdel. Bonjour, Johnny. Je vais me saluer déjà, tu vois, Patrick Messinec, toute population, tout pays, tout avocat, le niveau cadeau, collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Alors, son président, par la matin, Guerrier. Oui, alors, vous voulez réagir matin sur du feu qui prend en pénitencier national là. Alors, nous avons essayé de faire un petit débat là entre nous pour connaître est-ce que pénitencier national, même là, le pas a servi comme prison, mais t'as qu'à arrêter là quand même, puisqu'ils vont passer derrière lui. Donc, ou même, vous voulez côté une précision par rapport à ça. Oui. Alors, pénitencier national, c'est un bâtiment qui est construit sous l'occupation américaine depuis 1915. C'est-à-dire, son bâtiment qui a supposé un certain symbolisme pour nous en tant qu'Haïtiens, son patrimoine. Et il y a un actif, prison que nous perdons, après que bandits étaient pris, ils ont civil cabaret à côté qu'on logeait, mesdames. C'est-à-dire, j'aime toujours les mêmes c'est une prison qui était construite avec un certain standard international. Mais hier, on a compris qu'au niveau pénitentiaire national, son parti qui voulait, c'est le parti Titanic. Elle dit, à travers photos et vidéos que nous voyons, on va jouer un ensemble de parties qui voulaient, un ensemble de sections, vous sentiez que du feu ça qui mettait, est-ce que son du feu le mettait dans un souci pour détruire l'espace-temps ou bien pour faire disparaître des dossiers? Bon, le matin, ça a été étonné dans le niveau cadeau, pour responsable BAP, a dit que le dossier sensible, il était temps de retirer là déjà, il était temps de retirer. Mais j'en ai dit dans la dernière intervention que j'ai fait, hein, pas de prisonniers. Ils ont été évacués, tous les prisonniers. En matière de chiffres, nous connaissons l'ancien Micole, ils ont été répartis prisonniers comme suit. Il y a 70 prisonniers qui ont été mis dans l'ancien Micole, on a arrêté 68. Dans le niveau des CPJ, ils ont été 21. C'est une bonne comme ça. Maintenant, il y a un sacrifice. Allô? Oui, non, non. Il y a un sacrifice. Portez une atteinte grave à l'identité pays, à culture pays, parce qu'on a parlé d'un bâtiment qui est plus de 100 ans, c'est pays international. C'est dit, rouler là, c'est disparaître. Il y a un élément important, il y a un immeuble important. Regardez le type de construction. C'est une construction qui est très très ancienne. C'est dit, même le sacrifice de l'évasion massive, même penser que il y a des mesures concrètes qui vont apprendre pour sécuriser le bâtiment. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais connaître l'air pour certaines reconstructions, il doit utiliser l'espace pénitentiaire pour d'autres activités. Il doit loger en l'autre institution là-dedans. Mais quitter le bâtiment, ça, livrer pénitentiaire, livrer immeuble, pour contrer les guerriers, l'absentie, l'État, ça, son État qui passe soucieux qui sont patrimoniaux, puisque nous avons une structure en Haïti qui protège le patrimoine, nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous pensons que symbolisme que pénitencier représente, c'est qu'il faut qu'il y ait des mesures d'apprendre, il faut que TAP, il faut que la police mette des chars blindés pour protéger l'espace-là, pour éviter que mon accède à lui-même, pourquoi pas protéger, pour éviter que ne pas perdre, je ne perds une lettre là. Et nous, et qu'on prend le soin comme ingénieur civil, pour nous dire, pénitentiaire nationale, son bâtiment avec une structure fragile. Parce que, vous regardez, dans la pénitentiaire qu'on porte, même le bâtiment qu'on ouvre bien,
comporte un pan de mur qui prête pour tomber. C'est automatiquement un séisme de faible magnitude. Il y a des pans de mur qui a tombé. Il y a des bâtiments qui ont perdu. Si pan de mur a tombé, donc on l'état, son état qui négligeait déjà. C'est dit, si pan de mur a tombé, c'est dit, prendre une négligence pour reconstruire. C'est dit, pour remettre mur sous pied. C'est dit, nous-mêmes, cap défend qui sont prison, nous-mêmes, cap bataille pour prisonnier, nous estimons que l'important pour qu'il y ait des décisions qui prennent rapide au niveau de DAP, au niveau de la police, au niveau de monde qui est responsable prison en Haïti, pour essayer de protéger, tirer ça qui est protégé. Nous avons des informations depuis même avant l'évasion guerrière, c'est-à-dire responsable DAPO, c'est qu'il est temps de retirer tous ces sensibles qui ont été en DAPO. Mais préoccupation guerrière, après l'évasion, ça, on parle de conséquences qui parlent là. C'est-à-dire, nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous sommes toujours à prôner, sacrer la numérisation du système judiciaire, de l'infrastructure judiciaire. C'est-à-dire la digitalisation. Allô? Oui, non, non, non. Allô, allô? Vous m'avez parlé, M. Anel Rémy. Allô, allô? Vous m'avez parlé, M. Anel Rémy, Napkouto. Allô, allô, allô? Oui. M. Anel Rémy, ou toujours en ordre et Napkouto. Allô, allô? Oui, et essayez de parler avec M. Anel Rémy pour dire qu'il est toujours en ordre. Oui, j'ai dit M. Anel Rémy, il y a les cadeaux. Que... Nous avons toujours apprenné la numérisation du système judiciaire. Pour qui ça guérit? On va regarder, c'est parce que nous avons qui ont intuition de quelconque événement qui est arrivé pour dossier ça ou pas réduit. Mais si, effectivement, nous avons fait effort pour moderniser le système judiciaire, pour moderniser l'infrastructure judiciaire, c'est-à-dire, sacrifier là, il n'y a pas à supposer en préoccupation pour nous guérir. C'est-à-dire, si nous avons un système de données, en base de données, c'est-à-dire tout dossier prisonnier, il est numérisé, il est digitalisé, c'est-à-dire, base de données, ça, c'est l'État qu'on est, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas supposer inquiet après l'évasion, ça. C'est-à-dire, nous avons monté sous système, non, sous base de données, non, nous avons râlé toutes les informations, c'est-à-dire, nous avons fait une liste exhaustive de tout prisonnier qui sont. Bon, malheureusement, on va regarder, et 15 jours, 16 jours, et 17 jours après, l'évasion, hein, c'est dit, aucune mesure n'est encore prise parce qu'on sent que l'État n'a pas contrôle effectif le nombre de monde qui est dans la prison. C'est dit, ces batailles, ça qu'on a mené. Et qui permet nous-mêmes, comme avocat de défendre le monde, attirer l'attention et autorité judiciaire. Après l'évasion, ça, qui est un problème là. Qui problème qui est, c'est que, qui est de prisonniers capsoul, yota remé à l'intention. Mais qui bon, nan qui prison, l'on regardé, prison quoi des bouquets, vide, pénitentiaire, vide. Mais est-ce que l'État, est-ce que l'autorité judiciaire prend mesure pour prendre disposition pour recevoir moun kap vini yo, pour recevoir moun ki vle rentre tête yo, pour recevoir moun ki di, bon, écoutez, yo te obligé quitter l'espace là, parce que la vie est en danger, maintenant yo vle retourner. Mais qui ça fait? Qui a vu de recherche qui mette? Qui dispose son plan en matière de justice? Nous commençons à constater dans le niveau cadeau, parce que nous avons planté plusieurs grades à vue, le commissaire a Pétionville les permet de saluer, mettre à Snell Paul, mettre signé, mettre pile, tout avocat. C'est-à-dire, comment c'est qu'on sur-encombrement dans le garde à vue guerrier? Dans le niveau des CPJ guerriers, nous comptons presque 33 à 40 personnes qui sont dans la cellule. C'est-à-dire, il n'y a pas d'espace encore pour nous virer. Lorsque songez, c'est là où tu mets les Colombiens. C'est là où tu mets les restes qui étaient dans la pénitentiaire, qui étaient fait partie de 49 personnes. Dans le niveau de Pétionville-Guerrier, garde à vue Pétionville commence à saturer. C'est-à-dire, garde à vue commissaire pour le président commence à saturer. C'est-à-dire, grand pilote garde à vue, que le tabac, que l'autre côté, il commence à saturer.
nous-mêmes, qui s'en proposer comme avocat dans le niveau cadeau? C'est-à-dire, substitut commissaire, yo, commissaire gouvernement Port-au-Prince, surtout, faut commencer chita avec substitution. Maintenant, pour commissaire gouvernement qui a déplacé, aller dans le commissariat, yo, pour aller tant de monde, parce qu'il y a des monde qui ont 3, 4 mois là. Et par rapport à l'évasion, ça a été pas de tribunal. Tribunal pas fonctionné. C'est-à-dire, avec alerte qui est sur le tribunal pour le président, c'est-à-dire une compteur bleue, là qu'il y a commissaire, là qu'il y a acteur. Mm-hmm. Nous-mêmes qui avons défendu le monde, nous-mêmes qui avons bataillé pour la question de liberté fondamentale dans le niveau cadeau, c'est-à-dire, son préoccupation, c'est bien à cœur, et ça fait publiquement, nous faire proposition à un commissaire gouvernement, s'il porte le toujours, pour commencer à déléguer des commissaires du gouvernement, aller dans le commissariat, aller dans l'espace carcéral, dans l'espace garde à vue, pour commencer à tenter mon salaire, pour permettre de juger. Et de deux guerriers. Il y a des gens qui ont tout, des gens qui évadent, leur grande tête, parce qu'ils ont des complications, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dossier pour eux. Qui suivi fait entre parquet Port-au-Prince et différents commissariats? Est-ce que pas ta supposé qu'on commissaire dans chaque commissariat sa yo, maintenant, pour faire des dossiers, pour le monde sa yo qui vient dans la tête. Parce que écoutez, qu'on fragilité. Si le monde n'a pas été, si le monde n'a pas été accepté de retourner dans cette carcéral, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on suive qui fait entre parquet Port-au-Prince, entre commissariat, yo, entre responsable justice, bien dit, mais qui mesure n'a pas pour faire dossier pour le monde qui décide pour tête. La dernière information que nous avons gagné, dans le niveau cadeau, il y a 7 personnes qui ont décidé pour tête. Et dans le niveau commissaire de Delmas, 7 prisonniers qui ont décidé de rentrer tête. Parmi eux, c'est un policier qui a décidé de rentrer tête. Donc, dans le niveau information, parmi les gens qui ont sauvé, donc c'est 7 personnes. Par contre, si effectivement, il a augmenté, mais pour l'instant, il y a 7 prisonniers qui t'es évadé, bon, ben, tu décides de t'être, bon, il y a peut-être aller dans le niveau commissariat et Delma 33. Mais nous-mêmes, je viens, important pour y protéger l'espace carcéral, ça, qui datait depuis 1915. Son patrimoine, son symbole, c'est-à-dire, l'État pas supposé qu'il le perdu, nous pas même bien déjà, ça n'y a d'ailleurs, si rarement, qui est construit. Nous avons gardé dans la prison civile Jacques Mel, c'est l'État qui a dernièrement défendu dans la prison pour soutenir chez nous, parce que Jean-Louis Mounion a vécu, c'est pas grave, dans des conditions infrahumaines. Nous dit-il qu'on responsable dans la prison Jacques Mel, Johnny Abdiani, qui te dit, non, écoutez, ça Mounion a vécu là, c'est pas grave, pète pas vivre. C'est dit, Mounion a vécu, même quand il y a matière fécale. Qui de force et ses côtés ont jeté matière fécale, c'est les prisonniers que tes filles, que tes garçons a respiré chaque jour. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous attirer attention autorité sur ça. Cadeau, attirer attention autorité sous conditions de détention. Les règles minimales de Mandela, c'est pour ça que nous battons nous-mêmes. Nous avons justice qui est grand monde, qui est fort, une justice moderne pour problème prison, ça y est. Pas répéter. Nous voulons justice qui faut pour problème. On ne va pas respecter. Parce que si un n'y est pas fait, si un n'y est pas dit, si un n'y est aucune mesure pas prend pour moderniser prison nous. N'a pas compris, M. Anelemi. Oui. Pour moderniser prison nous. Pour améliorer conditions de détention. Yo, et pas pour moi, si ça crée un pile frustration. Et conditions de détention a toujours été infrahumaine. Pour finir, guerrier, même si l'autorité de l'APE, Captain Dilla, nous même dans le niveau cadeau, tout avocat cadeau, nous dit que pénitentiaires sont symboliques pour le pays. Son bâtiment qui ont grande importance. Et ils ont utilisé là d'autres fins. Ils ont logé l'autre institution à donner. Donc c'est dans ce sens, ça nous dit. Automatiquement, que nous avons proposé l'État ça, pour suggérer l'État ça, pour sécuriser le bâtiment, pour éviter que l'autre bateau, l'autre individu occupe l'espace ça, et faire
un espace de dépôt côté abjet de détritus, mais nous ne pas perdu l'espace. On protège l'espace pour le gouvernement qui travaille sérieusement, mais nous avons repensé à la reconstruction, maintenant pour loger l'autre espace et pour permettre que nous améliorer les conditions de détention et ceci dans tout notre centre carcéral dans le pays à guerre. Voilà, merci un peu le maître Arnel Rémy. Bonne journée.